Salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, on est parti pour une petite vidéo drop au land de Sidimot. Voilà, on a l'habitude de faire cette zone, du coup on va essayer de bien drop les gars. On va partir en mode full drop, full rush la zone. Du coup j'espère qu'on va essayer de péter le record. Je sais pas tellement il est de combien, mais là il y a vraiment des bons groupes avec pas mal d'étoiles. Donc on va essayer de se faire ça les potes. Et on va essayer d'avoir des bons châles surtout. C'est ce qui va vraiment nous aider à bien drop. Hein. C'est la clé avec les étoiles. Du coup, on va tenter de faire ça. On a châle mystique là pour ce combat. Et bah clairement, on va le faire ensemble. Tranquillou. Et puis bah, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'objectif. Mais voilà, max drop possible. Et essayer de tout péter quoi. Si possible, allez, on va se fixer genre 6 diamants, 4 viscères, et puis un petit colère à mort peut-être, allez, pourquoi pas. On va essayer de se faire comme ça les potes, puis on verra ce que ça donne au fur et à mesure de la vidéo. Donc, 1h de drop, il est 18h20 là. Donc voilà, 19h20 on arrête. Ah putain, j'ai oublié de remettre mon cac, du coup je peux pas coffre, ça c'est my bad. On va essayer de faire les combats le plus rapidement possible, bien sûr. Hein. Bon, j'ai pas mis le cran en bilérole parce que je perds quand même pas mal de PP. Mais bon, dommage. Là, il n'y a pas de coffre. Est-ce que ça permet de drop quand même? J'ai pas l'impression que ça ait drop. Dommage. Dommage, dommage. Et allez, on va se refaire un petit. On va faire le petit score but là, vite fait. Et après, bah, les gars, je fais des coupures comme d'hab. Et je reprends dès que j'ai un bon truc, quoi. Alors du coup, plus dernière vidéo que j'avais fait au land, j'ai 3 diamants en un combat. C'était plutôt propre. Bon là, il n'y aura pas de châle fossoyeur. Dommage, c'est pas grave. Allez, la viscère ou un petit choléra mort, on va voir. Ou rien. Bon voilà, rien. Bon bah du coup les gars, bah j'enchaîne les combats et puis bah, je vous dis à toutes dès qu'on a un truc cool. Voilà les gars, juste après le petit combat, là, il est 18h22, donc 2 minutes après. Premier diamant qui tombe. Oh, j'avais dit les bons châles, ça va payer, donc châle blitz. Et c'est parfait les potes, du coup on commence bah, plutôt bien au final. Et puis bah allez, on continue. À toutes. Allez les gars, encore un diamant. La châle anachorète. Parfait, hein, nickel. Donc pour l'instant les diamants, on n'est pas trop mal. On arrive à en choper quelques-uns, donc là on est déjà à 2. Donc c'est cool, j'avais dit 6, donc on va voir si on va y arriver. Allez, on continue les gars. Allez les gars, on va filmer la fin de ce combat. Chal Blitz avec pas mal d'ougies, un score but et full étoile presque. Allez, là-dessus, on va voir ce que ça donne. Plutôt un bon combat. Voilà. Oh les gars, 2 diamants, une viscère. Parfait ça, parfait. Bah écoutez, pour l'instant, je suis plutôt bien. Hein. Nickel. Et ben voilà, parfait les gars. J'ai bien fait de filmer la fin. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah du coup, allez, on continue. Là, ça fait même pas 10 minutes qu'on y est. Donc allez, on continue. Allez, let's go les gars. Là, on enchaîne les combats de ouf. Encore une fois. Combat juste après encore. Une viscère, un diamant. Et bah écoutez les potes. Pour le moment, je suis plutôt bien en termes de prédiction. Vu qu'on doit être à 5 diamants. Et ouais, c'est ça. 5 diamants. Et. Du coup, 2 viscères. J'avais dit 6 et 4. Donc voilà, plutôt propre. On va même faire le petit score but qui est tout seul, full étoile. Voir ce que ça donne. Juste, voilà, je le one shot, je fais tchal et c'est bon. Je fais exprès hein, de buter mon sacré, comme ça il joue à la fin et il me fait pas chier. Mais en tout cas, les gars, je vous avais dit, hein, je sentais bien celui-là. J'avais été check la zone, il y avait vraiment beaucoup d'étoiles. Donc je me suis dit, c'est maintenant ou jaja. Et je pense qu'on a bien fait, clairement. Bon, là, on va pas faire le tchal. Et bah, ça fait plaisir, les potes. Ça fait plaisir. Du coup, je vais le noter là. On est à 2. On est à 5 et 2 pour l'instant. Je vais le noter comme ça. Comme ça, au moins, à la fin, peut-être pas besoin de faire le récap. Juste, on ira check. Bon, là, on le fait comme ça à l'arrache. Sans tchal, sans coffre, sans rien. Ça drop pas. Mais allez, on continue les gars, bah du coup c'est cool, là ça fait tout pile 10 minutes. Donc voilà, vraiment bien rentable pour le moment. Allez, on continue les gars, à toutes. Dès qu'il y a un bon tchal les gars, j'ai filmé maintenant. Bon tchal, ça sera blitz, chacun son monstre, compta ou économe. Voilà, donc dès qu'il y aura un de ces 4 tchals là,
Je vais filmer parce que tout simplement, bah, il y a vraiment pas mal d'étoiles. Et voilà, à chaque fois je le sens bien. Donc allez. Compta là sur celui-là, c'est juste un choléra. Putain, j'ai cru à la viscère. Et un scorbut, mais non, il n'y a rien les potes. Donc c'est pas grave. Voilà, on continue. Let's go les gars, pas de tchal et on fait encore tomber une viscère. Voilà, ça fait plaisir. Donc du coup, on passe à 3 viscères. Parfait. Parfait les potes, il va falloir focus un petit choléra mort là parce que à mon avis c'est ce qui va être le plus chaud à drop. Allez, on continue. Allez, let's go les gars, on fait tomber le petit choléra mort. Ça fait plaisir, c'était un combat 3 scorbuts, 2 choléra, j'ai capturé d'ailleurs. Pour ce coup-là, on drop pas de viscère, mais le petit choléra qui tombe. Et ça fait plaisir. On n'est même pas à 15 minutes de vidéo, les gars. J'ai commencé à 18h20. Et il est 18h37. Donc voilà, voici, on est à 15 minutes. Mais voilà, comme quoi, là, on est plutôt bien. Donc ça fait plaisir. Je pense qu'on va faire une bonne vidéo, 1 heure de drop. Là, ça va faire vraiment plaisir. Donc bah allez, on continue sur cette lancée. Là, il y a un bon petit combat encore. Je vous dis à toutes les deux. Hop là, encore une viscère, les gars. C'était Tchal, quoi. Ordonné. Voilà, parfait. Une autre viscère. Du coup, on est à 4 viscères déjà. Donc là, logiquement, il nous reste 40 minutes pour choper un diamant. Et on aura réussi ce que j'avais dit en début de vidéo. Donc, c'est-à-dire 6 diamants, 4 viscères et un choléra. Donc voilà, il y a largement moyen de faire mieux. Donc bah on va continuer les gars. Puis bah je vous dis à toutes. Hop les gars, encore un petit diamant. Voilà, c'était Tchal imprévisible. Et let's go. En même temps les gars, là, on a vraiment des combats. Mais c'est, regardez-moi ça. Franchement c'est abusé. Franchement c'est trop bien de farm comme ça. C'est juste trop plaisant quoi. Parce que bah ça tombe beaucoup plus facilement. Donc ça c'est vraiment. Vraiment les gars, checkez bien les zones qui sont pas trop faites. Vous allez. Bon, c'est ce que je fais hein, généralement. Je vais dans le fin fond des zones en gros. Vous voyez les landes de Sidimod, c'est hyper grand quand même. Hein. C'est toute cette zone là. Et généralement il y a très peu de monde qui va par là. Sauf pour aller au gars, mais dans cette zone là, il n'y a jamais trop de monde. Et bah clairement, moi je vais tout le temps là-bas parce que bah, c'est le mieux quoi. C'est le mieux. Et là, du coup, on va tenter deux pour le prix d'un, les gars. On va tenter de tout tuer avec Fekka. Je vais juste bien les grouper et mettre des glyphes. Enfin bref, voilà les gars. Et bah du coup, on continue. Allez à toutes. Et voilà les gars, le tchal, le combat d'avant, les petits d'abord. Et ça nous fait tomber 2 diamants, ça. Donc bah c'est parfait, les potes. C'est vraiment, vraiment ultra plaisant. Les deux pour les nuits en plus. Donc voilà, bah écoutez les gars, franchement là, on est à une demi-heure là, tout pile. Et du coup, on est déjà à 6, 7, 8 diamants, 4 viscères, un choléra. Allez, on va essayer de refocus peut-être un petit choléra, les gars. Des viscères aussi, peut-être un peu moins d'ougie. Mais quand on voit les combats comme ça, c'est dur de passer à côté. Mais allez, on continue. Allez à toutes. Allez les gars, on va se quitter avec ce beau combat. Malheureusement, après, on n'a rien eu. J'ai arrêté de focus tellement trop les diamants. Donc c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'on aurait eu d'autres diamants encore. Mais de toute manière, il n'y avait plus vraiment de très très bons combats. J'ai essayé de focus un peu plus les choléras, etc. Mais c'était assez chaud. Du coup, on n'a rien drop de ouf sur la fin. Bon, on n'a rien de spécial. Mais bon, du coup, on aura tellement bien commencé que bah, c'est pas grave, les potes. Hein. C'est comme ça, du coup, bah voilà. Je suis parti totalement à l'opposé pour finir un peu la vidéo, voir un peu ce qu'il y avait. Parce que j'ai vraiment fait tout le tour de la zone là-bas. Puis je suis tombé là-dessus, du coup, allez, on va finir la vidéo sur ce combat. On va voir ce que ça donne. Donc, il y a 4 scores buts, 3 et 3 ougies. Donc voilà, je vais capturer bien sûr. Et puis let's go, on ira voir un petit peu les prix. Donc pour le moment, on est à 8 diamants, 4 viscères, 1 choléra mort. Donc ça va, on est bien. Enfin, on n'aura pas dépassé autant que ça l'objectif que je m'étais fixé au début de vidéo. Mais on l'a quand même atteint et dépassé un petit peu. Donc c'est déjà très bien, les potes. Du coup, bah voilà, le petit tchal mystique, ça fait plaisir. On a un bon petit tchal en plus. C'est cool, je vous avouerai que si on avait eu ordonné ou cruel ou truc du genre sur ce genre de combat, c'est un peu relou. Mais ça va, on s'en sort bien. Et du coup, peut-être qu'après, je continuerai un petit peu en off, on verra ce que ça donne, parce qu'il reste des petits combats quand même. Moi, j'aime bien quand je fais une zone bien asséchée à fond, comme ça. Bah, comme ça, on en profite au maximum. Donc, bah, si vous êtes sur une nouvelle, ça sert à rien de passer prochainement, les potes. Allez, let's go. Mystique.
On va voir ce que ça donne. Allez, bah une viscère pour finir. Et il n'y en aura qu'une. Mais c'est déjà très bien. Hein. Il n'y avait pas spécialement de choléra. Donc, hein, pas de choléra mort. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc là, on est parti à l'opposé. Puis il y a des petits combats sympas. Ça, voilà, ça fait tomber des diamants assez tranquille. Voilà, on a des trucs un petit peu cool. Donc ça, je les ferai solo les combats. Donc je vais voir un petit peu. Ah, c'est les enclos de merde. Hop là, pardon. Et du coup, bah, allez, je vais aller voir à Banta les prix. Vite fait, je pense que les diables. Oh, bah, regarde, ça c'est parfait, ça. Je vais le faire tranquille. Je vais aller voir les prix. Hop, il y a ça qui pop. Je vais voir les prix. Allez, c'est parti. Je pense que les prix des diamants ont bien monté en plus. Ça c'est cool. Et on va commencer par les viscères de scorbut. On va se trouver quelque part là-dedans. Si je me gourre pas. Voilà, 200 000. On en a 4, ça fait 800 000 les potes. Bah non, même 5, du coup, ça fait 1 million. Avec celle qu'on a chopée après. Donc c'est cool. 1 million pour les viscères. Le choléra mort, c'est 200 000. 1 million 2. Et les diamants ôtés devant des mineurs. Tac, tac. Pierre précieuse. Le diamant, on est à 100 000, je vous ai dit. Les prix ont bien monté. Du coup, 800 000, bah on a 2 millions pile, les potes, de BNF en une heure, donc ça va, hein, franchement, c'est plutôt correct. Pour l'an de CD Mode, c'est plutôt cool. Et puis voilà, les gars, hein, franchement, ça fait plaisir. Alors, je suis sûr que là, dans les commentaires, vous me dites de faire le combat en bonus. Du coup, bah, allez, on va le faire. On va aller le faire, les potes, parce que c'est vrai que c'est plutôt un beau combat. Donc, voilà, on va courir vite, vite et bien. Essayer de faire ça vite. Voilà, on va se faire ça tranquille, les potes, pour finir en beauté, je l'espère. Ah, putain, il y a lui qui est trop lourd. Ça casse les couilles. C'est chiant, c'est que les items là, ça pèse une blinde. Hop, du coup, moi je les détruis, hein, les potes. Désolé, ça fait peut-être mal à certains d'entre vous, mais obligé quoi. 23 potes à quoi. Ça va pas faire chier non plus. Voilà, voilà les gars. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé le début de la vidéo. En tout cas, était épique. Et ça fait plaisir en tout cas. Du coup, on va mettre une pierre 100. Eux, ils ont décalé, on sait pas pourquoi, comme d'hab. Tac, tac. Et let's go. Allez, une bonne map, un bon tchal. Ok, la map est cool. Le tchal, un petit économe. Et puis on n'en parle plus, les gars. Puis voilà. Allez, let's go. Let's go, let's go. Et merci. Putain, je suis un monstre. Allez, économe. Bah, du coup, on va pas le rater. Hein. Normalement, ça passe crème, ça. Hop. Hop. Putain, franchement, la chatte que j'ai, quoi, c'est abusé. Quelquefois, il suffit juste de le demander. Hein, et puis, c'est bon, ça tombe. Hop. Je stresse tout le temps sur économe, même en début de combat. Je me dis, putain, ça va bugger, ça va casser les couilles. Mais non. Bon, bah, les gars, du coup, clairement, économe, full étoile, 4 scorbuts, un ouji, moi, je pense, 2 viscères. Allez, je m'avance un petit peu, peut-être, mais je mise bien sur 2 viscères. Et puis, bon, on verra si j'ai un petit peu. Là, franchement, je pense que c'est le meilleur combat qu'on va faire de la vidéo en termes de combo étoile, tchal et mob intéressant. Ah non, il n'y a que 3 scorbuts, pardon, il n'y en a que 4. Ah, du coup, c'est peut-être un peu chaud. Bon, on verra. Enfin, c'est vraiment le combat parfait là, donc ça fait plaisir. On va buter ici. Hein. Voilà. Voilà. Tranquille, j'ai lancé la capture, du coup, on va pouvoir finir. Et puis voilà, les potes, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé. Franchement, j'aime bien. Enfin, de toute façon, vous le savez maintenant que les Landes, j'aime plutôt bien comme zone. C'est pour ça que je fais pas mal de vidéos dessus d'ailleurs. Mais j'espère que ça vous lasse pas trop de regarder tout le temps la même zone. Même si j'en fais pas non plus toutes les deux vidéos. Mais... Allez, alors, du coup, une viscère, les gars. Allez, une petite deuxième. Eh non, dommage. Dommage, mais c'est pas grave. On chope quand même une petite viscère. Ça fait plaisir. On a la pierre aussi ou pas? Ah merde, j'ai peut-être pas lancé du coup. Oh le con. Ah non, bah j'ai pas dû lancer les potes. Merde, ça c'est my bad. Bon bah tant pis. Pourtant je pensais vraiment. Il était combien? J'ai mis une pierre 100 en plus. Ah bah si, bah j'ai. Ah si, bah c'est bon, j'ai eu. Tant pour moi, bah je la vois pas là.
Elle est où la pierre, les potes? Moi, c'est pas grave, je dois bugger. Je dois bugger. Bon, allez, les gars. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Vampix. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous fais des bisous. À très vite. Ciao, tout le monde.